Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette étape reliant l'Allemagne à la Belgique, il y a fort à parier que les sprinteurs mettront tout en œuvre pour décrocher la victoire. Si certains tenteront sûrement de déjouer leur plan, les chances de les voir réussir tiennent du miracle. Les coureurs vont très rapidement affronter une première côte répertoriée pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Elle devrait permettre aux baroudeurs de passer à l'offensive pour lancer l'échappée du jour. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. Ça s'anime en tête de peloton. Tentative de contre. Il a demandé à ses équipiers de gérer l'écart. Il veut sans doute jouer la victoire au sprint. À 2 km du grimpeur. Il prend virtuellement la tête du classement général. Le maillot jaune fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est un très bon puncher. Il est plutôt limité en montagne et sa pointe de vitesse n'est pas vraiment un atout sur lequel il peut compter. Ne laisse pas le contre rentrer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Ce qu'il sait faire le mieux, c'est rouler. On ne peut pas dire qu'il soit à son avantage dans les bosses ou dans les sprints. Bon rouleur, avec un punch pas trop mauvais, il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin car il ne va pas vite au sprint. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Les gars, on est en début de tour. Les sprinteurs ne laisseront pas partir de grosses échappées. S'il y a plus de 5 ou 6 coureurs devant, ils devraient faire rouler leurs équipiers. C'est avant tout un rouleur équipier, même s'il dispose de capacités au sprint pas trop mauvaises. C'est un routier puncher à l'aise sur les parcours vallonnés. Un véritable sprinteur qui en plus passe pas trop mal les bosses. Il faut se méfier de lui au sprint. C'est
C'est un équipier sans ambition pour le classement général. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. On dirait qu'il fait rouler son équipe pour rattraper le contre. Je suis pas sûr que ce soit utile de continuer ton effort. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Vous avez une trente d'avance sur le peloton. Ça sent le bon coup. Il a demandé à ses équipiers de gérer l'écart. Il veut sans doute jouer la victoire au sprint. Pour viser le général, il ne faut pas faire d'efforts inutiles pendant les étapes de plaine, de manière à avoir le maximum de ressources quand la montagne arrive. Il n'a pas l'air de vouloir vous laisser plus d'avance, c'est ses équipiers roulent. Ça va être le jeu du chat et de la souris.
Intrinsèquement, c'est toi le plus rapide du groupe au sprint. Chute de l'équipier. Ok, je vais le protéger. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Le sprint intermédiaire approche pour la tête de la course. Il permettra aux 15 premiers de marquer des points pour le classement du maillot vert. Vous êtes à 5 km du sprint intermédiaire. T'es le meilleur sprinter de l'échappée. Tu dois arriver à remporter le sprint intermédiaire. Va falloir accélérer le rythme. Ton équipe a commencé à mettre en route derrière. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué! C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. L'échappée perd du terrain. Ah, les étapes de plaine. Pas étonnant qu'elles ne passent pas en entier à la télé. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. L'échappée perd du terrain. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout.
Ça marche. Je me ravitaille. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Les équipiers mènent la chasse en tête de peloton. Les intentions ont l'air claires. Jouer la victoire au sprint. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. Ça roule fort derrière. C'est pas le moment de se relâcher. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Une nouvelle côte approche pour la tête de course. Une fois encore, il y aura un point à marquer pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Le peloton est maintenant pointé à une minute. T'as 30 secondes sur le peloton. La dernière difficulté répertoriée de la journée se profile. Une fois encore, il y aura un point à gagner pour le Grand Prix de la Montagne. T'es à 2 km du grimpeur. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Ok, je vais te protéger.
On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. L'échappée est en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Trente secondes d'avance pour la tête de course. Ok, je vais relayer. Il reste 15 km et compte tenu de l'avance de l'échappée, la victoire va très certainement se jouer au sprint dans les rues de Liège. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Let's go.
Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Bravo les gars, c'est un beau podium aujourd'hui. J'attendais à vous voir bien classé, mais pas forcément sur le podium. Encore bravo!